Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va super, je suis avec Mijirachi. Coucou. On se retrouve pour une toute nouvelle sorte de dégustation cette année 2016. On va déguster des produits de fast-food, de restaurants, et on commence avec McDonald's. Et on vous demande tout de suite de laisser un énorme pouce bleu et de nous dire en commentaire quelle dégustation vous aimeriez bien avoir sur notre chaîne. Donc par exemple, je ne sais pas, Quick ou autre, à vous de nous dire en commentaire. Et donc les amis, là, on a vraiment chez McDo, ils ont pété un câble. Franchement, ça va être vraiment du lourd. Bon, on n'a pas mangé, il est presque 16h. On n'a vraiment pas mangé, du coup, on crève la dalle. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons? Déjà, pour commencer, vas-y, on va montrer un truc par un, mais bon, voilà. Oh, franchement, j'ai hâte. Ah, je me suis mis plein les mains, ok. Alors, on a les McWrap, donc ça, je sais pas ce que vous prenez au McDo. Un croque McDo. Dites-nous en commentaire ce que vous prenez au McDo, ça serait cool. Voilà, donc là, on a deux McWrap, un chèvre et un chicken. Ouais, un bacon. Un bacon. On a un croque McDo. Alors on a pris une salade, on a essayé de tout prendre, on a pris une salade avec la sauce salade. Bon, bien sûr, on va pas tout manger en entier. Non, on va pas tout manger en entier. Sinon, on va mourir. On va en laisser pour ce soir, évidemment. Donc, des chicken nuggets. Voilà. On a pris les patatos et les frites. Voilà. Les patatos et les frites, voilà. Alors, il y a aussi un Royal Bacon, donc on a pris tous les sandwichs de base. Tous les sandwichs de base et le sandwich spécial qu'il y avait. Donc, Royal Bacon, filet au fish. Le Big Mac. Ok. Le McChicken. Le Royal Cheese et le... Ouh, Testi que j'ai pas eu faire le tomber. Big le Big Testi. Voilà. Ok, on a également aussi les desserts. Les desserts sont où? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On a aussi... Ils attendent tranquillement, vous les verrez tout à l'heure. Ah voilà, on a un McFlurry, un Very Parfait et on a également un... Un donut à la fraise. Un donut à la fraise, voilà. Donc là, on a essayé vraiment de prendre un maximum de choses. Différentes. J'en ai eu pour 65 euros à la caisse, j'étais là. Genre j'ai dit, je veux un menu maxi best-of wrap poulet. Et un menu maxi best-of bacon, tu vois, Royal Bacon. Et elle me dit c'est tout, je dis non, je veux ça, 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 ça. Rajoutez-moi ça et ça et ça. La dame l'a fait. Mais genre elle a pété un câble. Donc je te propose qu'on commence, par quoi? Faut faire comme au McDo normalement. Moi je commence par les frites. Bah moi je commence par le. C'est où mes frites? Elles sont là. Là dedans. Donc là, moi j'ai goûté au croque McDo. Du coup, en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un McDo. On commence avec des trucs assez basiques que vous connaissez sûrement tous, hein, les frites et les potatoes. Mais après, ça va vous permettre de découvrir peut-être des trucs que vous connaissez pas. Et puis, si ça peut vous tenter de les prendre après. Donc, le croque McDo, environ, ça coûte 2 euros. Et franchement, je pense que c'est l'une des meilleures entrées. C'est moi qui t'ai fait découvrir ça. En fait, c'est genre un truc avec du jambon et du gruyère à l'intérieur. C'est vraiment bon. Je pense que cette dégustation, elle va donner faim aux gens. Regardez, c'est vraiment putain de truc, ça. Ce soir, le McDo va faire plus de chiffres que d'habitude, vous voyez. Pour ceux qui se demandent, cette vidéo n'est pas du tout un placement de produit, pas alors loin de là. Pas du tout, du tout. Bah, franchement, moi, le Royal... Je pense que McDonald's n'a pas besoin de nous pour marcher. Tellement, franchement, c'est énorme. Le McDo, c'est une des meilleures choses qui existent. Merci, Bosch. J'adore ça, moi aussi. Donc, les prochaines dégustations qui arriveront seront très, très originales, franchement. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est un croque McDo, c'est du jambon et du fromage, tout simplement. Du fromage fondu, mais c'est trop, trop, trop bon. Vraiment. On a également bon. Des boissons, bon, les boissons qui étaient avec. Oui, parce que vu tout ce qu'on va manger, il faut bien qu'on ait des boissons pour réussir à faire passer tout ça, voyez-vous. Bon, tu prends un peu de frites? Ouais, on a plein de sauces et tout, mais les sauces, voilà, peut-être qu'on les goûtera après. Alors, moi, pour les potatoes, ils font toujours une sauce, tu sais, la sauce, je sais plus comment on appelle. Bon, elle est verte, voilà celle-là. Voilà. La creamy de luxe. Donc, et celle-ci, elle est parfaite, je trouve, pour les potatoes. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est une espèce de crème bizarre tartare. Donc, faut savoir que je suis au régime. Donc, après cette dégustation, je vais la faire une heure de vélo d'appartement. Donc, il y aura les petites photos sur mon Twitter, @davidlpokemon. Mais prends-en, hein. Bah ouais, je vais en prendre, ouais. Donc, voici, voilà. Alors, moi, avant, je prenais tout le temps des potatoes, des frites. Mais là, en ce moment, je commence un peu à me lasser. Ouais, alors, du coup, on a pris et des potatoes. Je prends des potatoes. Et dernièrement, on prend quasiment que des potatoes. Et franchement, c'est cool aussi. Si tu devais choisir entre frites et potatoes. Maintenant, potatoes. Moi, je pense que les frites de McDo, c'est genre le truc le plus addictif. Ouais. Moi, j'adore aussi les frites de McDo. Voici, voilà. Bon, faut pas trop en manger parce qu'après, on aura franchement, les amis, c'est la dégustation qui fait plaisir. Ah là là. Ok. Alors, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait goûter? Là, il y a tous les sandwichs. Moi, je propose qu'on goûte la salade. Le pire truc, je pense que la salade, j'ai jamais pris ça, je crois. Et après, les chicken nuggets. Qui a déjà pris une salade à McDo, sans déconner? Bah, ça, on va goûter. Comme ça, vous saurez un petit peu. J'ai pris la salade normale, hein. Il y a plein de salades, j'ai pris la salade normale, j'ai fait fuck. La petite salade, c'est ça? Aucune idée, oui. Ouais, il y a écrit petite salade. Ok, donc là c'est la sauce salade, tu me tiens la salade s'il te plaît. Ok. Ça c'est la sauce, t'en fous toujours partout d'habitude. Calme le jeu, si j'en fous partout. Putain. Ouais, ça commence, tu vois. Ok, je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord.
Bon, c'est une sauce allégée apparemment. Ah bon? Ouais. Allégée. Il y a marqué sauce allégée dessus donc. Pourquoi allégée? Bah, j'en sais rien, c'est ce qu'elle m'a donné la dame. Okay. Cela dit, j'étais gros, elle a dit ouais, bon. Oh, non, j'ai gâché. Bon, alors, et ta fourchette? Ouais. Ah, parce que tout est fourni chez McDonald's. Bah oui. Attendez, oh. Donc, on va mélanger. Vas-y. Ça se trouve, c'est bon la salade. De toute façon, on va prendre ça à chaque fois. Non. Je suis pas serein. Moi je le sens pas du tout. Bon, après, si tu vas à McDo, c'est pour manger des frites. Non, mais pour moi, tu vois, encore les burgers, c'est plus ou moins frais que pour moi, la salade, ça doit pas être frais du tout. Genre, s'ils les reçoivent directement des entrepôts, non? Et c'est trop bon. Arrête. Je te. Non, je arrête, promets. Tu mytho. Non, tu mytho. Mais c'est trop bon! Non, elle est bonne, hein? Eh, c'est la révélation! Attends, fais voir! C'est de la vraie salade! Mais c'est chaud! Attends, c'est trop bon! C'est pas possible! Putain, moi je croyais que c'était de la salade genre. Pourquoi c'est aussi bon que ça? Pourri, mais en fait elle est grave fraîche! Putain, elle est super fraîche la salade, c'est vrai! C'est trop bon! Vas-y, on la garde pour après! Oh là là! Eh, franchement! Parce que là, c'est un peu aussi pour vous conseiller, vous aider à faire votre menu, etc. On fait un peu ça avec Cordisa, enfin vous nous connaissez, voilà. Franchement, les préjugés de la salade. Et la salade, je vous promets, elle est trop bonne. Et c'est la sauce qui est bonne aussi. Ouais. Ok. Bon, okay. Bah écoutez, je suis très content là. Je suis très content pour l'instant. Viens, on prend ça. Bon, goûte une nugget. Chicken nugget. Alors, attends, est-ce que ça a pris de la sauce barbecue? Yeah. Oui, moi je dis barbecue, hein. C'est barbecue. La sauce je barbecue. Sais, hein. Alors voilà, ça c'est l'autre truc, ça c'est le truc du menu enfant, hein, ça. Non, j'ai dit la plus petite boîte de nuggets. Alors, moi ma sauce préférée c'est la barbecue. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment la chinoise aussi. La chinoise elle est bonne. Y'a plus. Y'a plus. Là, dans le McDo où on est, je pense qu'ils sont en retard, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils sont en retard. T'as demandé? Ouais, ouais. Ils avaient pas. Mettez-moi toutes les sauces que vous avez, mais il me reste plus que du barbecue. Emma, elle te fait rien. Mais ils avaient rien là-bas. Et je suis arrivé, gros. Je suis arrivé au McDo, ils ont dit quoi? Ils ont mis un quart d'heure à me servir, ils ont dit oui, bonjour monsieur. Et là, ils sont disputés. Oui, il y a un client là-bas, qu'est-ce que tu fous? Tu vois pas que je suis en train de ranger les frites ou je sais pas quoi? Après, elle me sert et tout. Ouh, elle était genre mauvaise humeur, elle dit qu'est-ce que vous voulez? Et là, j'ai dit, t'inquiète pas, bah, tu vas travailler. Et là, tu fais. Non, ça c'est super bon. Par contre, des fois, il y en a qui sont super gentils, mais là, c'est. Voilà. Ça, c'est un truc sûr, hein. Ouais. Ça, c'est un truc sûr. Les nuggets, franchement, on petite faim. On aime, on apprécie, c'est bon. Alors. Bon, maintenant, on va goûter les sandwichs. Donc. Les sandwichs. Il y en a plein. Alors, hein. Je pense que vous êtes sur la miniature, on a vraiment une tonne de sandwichs. J'ai essayé de les empiler sur la miniature, mais franchement, c'était vraiment galère. Alors. Moi je te propose qu'on goûte pas. Bah tu goûtes ce que tu veux, bah, mais moi je mange juste un ou deux crocs dans chaque, hein, parce bah, que ouais, sinon c'est fini pour moi. Bon, on commence par le Big Tasty. Ah ok, on commence par l'édition. Pourquoi tu le casses? Parce que je suis qu'un teuf. Voilà. Donc le Big Tasty. Oh putain. Donc là, t'as le sandwich, on va l'ouvrir. Hein. Putain, mais t'en mets partout. Ouah, c'est pas grave. Donc, sauce, il y a de la sauce, des tomates, du fromage, un big steak. C'est parti. J'ai jamais goûté, moi. Ah, moi, je suis apte... Enfin, je suis adepte. Moi, c'est un de mes sandwichs préférés. Mais moi, je sais pas. C'est un de mes sandwichs préférés. T'as pris les serviettes? Non, tu n'as pas pris les serviettes, mon amour. Si. Ah, c'est un de mes sandwichs préférés. Il a une espèce de goût de grillade. Putain, il est grand, hein. Mais oui, il est grand, c'est le Big Tasty. Il est dur à choper, hein. Franchement, la dégustation de gros porc. Ah, c'est n'importe quoi. C'est trop bon, hein. Allez, vas-y. Franchement, c'est le Big Tasty, moi je vous le conseille. Il y a des sandwichs qui sont. Il y a des nouveautés, elles sont vraiment pas bonnes des fois. Mais Big Tasty, je sais que c'est une valeur sûre. Une fois, ils ont fait le. Je sais plus ce que c'était, un truc à la moutarde de Dijon, j'ai pris. Ah, c'était pas bon. Ah, c'était vraiment pas bon. Franchement, c'était pas bon. Je sais pas, mais moi je préfère quand même le Big Mac. Voilà. Ouais. Pour le moment, on va pas dépasser le Big Mac. Je propose qu'on fasse une Mac Chicken. Donc vas-y. Ok. Donc, comme d'hab, tu connais la légende de McDo, il te met toujours une salade avec ton sandwich. C'est de la salade. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bah oui, alors du bon. Coup, Max, non mais attends. Non mais qu'est-ce que tu fais? Bah attends, il y a mais quoi... mange la salade. Mais attends, ça dépasse. Oh bordel. Alors par contre, c'est bien connu au McDo pour manger, t'es obligé de t'en foutre partout. Alors du coup, à l'intérieur, bah écoute, c'est très simple, hein. Attends, voilà, t'as juste un morceau de poulet, de la sauce, de la salade et du coup du pain pour faire le sandwich. Comment on mange, les gars? Alors, ça c'est bon ou pas? Je suis pas fan. Ah ouais? Je crois que j'avais jamais pris. Moi il y en a plein que j'ai jamais pris, moi je sais. J'ai jamais pris. Alors? J'aime pas le McChicken. Je sais pas. J'aime pas. Attends, tu t'en mets partout sur toi. Ouais. Franchement, le McChicken. Ouais. Le McChicken,
Moi je le conseille pas. Après voilà, si vous aimez, après voilà, ça dépend, chacun ses goûts. Je trouve ça, mais moi par contre, tu vois, le poulet, je suis plus KFC. Après, on a sandwich au poulet KFC, c'est vraiment meilleur. Non. Non, je le trouve un peu pourri le poulet. Hein. Ouais, ouais, le poulet, pas, c'est genre, je sais pas, la tranche elle est pas. Non, c'est pas terrible. Non, je sais pas, McChicken. Non, c'est pas terrible. Je suis pas forcément fan. Non, moi je suis pas fan non plus. Alors, ma mimosa de serviette, merci. Ah, t'as pris un iced tea. Ouais, je t'ai pris un iced tea. Mais j'aime pas l'iced tea, moi, du McDo. Moi j'aime pas l'iced tea du McDo. En fait, les boissons du McDo, elles sont genre bizarres. Non, mais tu vois. En fait, le coca du McDo est bien, mais l'iced tea du McDo est coupé à l'eau, mais d'une manière. Alors là, on va prendre le Royal Bacon. Alors, celui-là, il y a marqué Sa Majesté au bacon, non mais, Royal Bacon. Celui-là, je sais pas si t'es d'accord, mais il est toujours en rupture de stock. Moi d'habitude, il est toujours en rupture. C'est pas le Royal Deluxe qui est. Ah oui, non, c'est le Royal Deluxe, c'est toujours en rupture de stock. Donc, du coup, dans ce sandwich, nous avons. Je sais pas, mais. Il manque des trucs là. Non. Bah, il y a deux morceaux de cornichons. Ah, mais ça me donne pas envie, celui-là. Ouais, il me donne pas envie. Il y a trois tranches de bacon, des cornichons, du fromage, et c'est tout. J'ai l'impression qu'ils ont mis un truc. Du coup, c'est parti. Non, moi je pense pas. Mais pourquoi les gens ils prennent ça? Le Big Mac c'est tellement bon. Enfin, je sais pas. En fait, là je me rends compte vraiment que j'ai fait un bon choix en prenant le Big Mac moi depuis longtemps, tu vois. Moi j'aime bien. J'aime bien les petits cornichons qui croustillent là. En fait, je sais pas si c'est des cornichons ou des concombres. Tu sais, t'as des petites plaques vertes là. Mais c'est quoi les... Dites-moi en commentaire. Mais attends. Ce que c'est les petites plaques vertes? C'est un plagiat du double cheese, hein, ça. Bah, on est chez McDo. Ou c'est le double cheese qui a un plagiat? Bah, j'en mais sais. Attends, ah, t'as pas pris de double cheese, mais ça a presque le même goût. C'est fou ça. Il y avait pas double cheese. J'ai pris tout ce qu'il y avait au machin. J'ai dit, vous mettez les 6 là. Parce qu'on a aussi des wraps. J'ai tout pris. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Ok. Bah, ça va. Moi, je suis pas. Voilà. Mmh. Ah, alors, du coup, bien. Là, le seul, l'unique, le Big Mac. Donc, c'est marqué. Attention, il va tomber. Non, mais c'est bon, t'inquiète, je tiens. Donc, du coup, c'est parti. Normalement, le Big Mac, c'est le meilleur sandwich, c'est ça? Bah pour moi. Alors. Après chacun son truc mais. Oh bordel. Franchement. Donc du coup. C'est dangereux ce t'as que tu fais. Un steak. Un autre pain. Un steak. Une tranche de fromage. Ah j'essaie de vous montrer. La salade. Je suis vraiment un attardé ou quoi. Voici voilà. Mais non mais c'est que c'est pas. En fait t'as deux steaks, une tranche de fromage quoi et la salade. Attention. Vas-y. Ah bah oui bah faut être chaud hein pour manger un Big Mac. C'est les meilleurs trucs ça. Big Mac c'est trop bon. Le Big Mac c'est trop bon. Ça aussi je connaissais pas. Oh, le Big Mac. Moi, c'est moi qui t'ai fait découvrir. J'ai dit mais pourquoi tu prends pas un Big Mac? Avant je prenais toujours un truc genre. Je sais pas, je disais Royal machin. Non mais que les nouveautés. Je prenais que les nouveautés. Et là un jour j'ai goûté le Big Mac. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Au moins 2-3 mois que j'en avais pas pris. Le Big Mac. La sauce du Big Mac. Oh my god. Mon sandwich préféré. Ok. Alors, il reste quoi? Moi, je prends nous deux petites frites là. Non, mais ça, tu. Fallait me donner ça en dernier parce que je vais tout manger moi. Non. Ok, ensuite. Suivant. Bien sûr, rien ne sera jeté, on mangera les restes ce soir. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que. Le si Royal Bacon, on a déjà goûté. Ouais. Bah, si on mange maintenant, gros, c'est. Ça on va faire une dégustation d'hôpital, mon gars. Dégustation de médicaments. Donc, alors, aspirine, injection 2. Là, c'est le filet au fish, donc j'ai. Jamais goûté le filet au fish. Ah ouais d'accord, ok. Donc le filet au fish c'est le truc au poisson. Voilà. Donc il me semble que c'est pour les musulmans ou les... Bah non mais c'est le sandwich la plupart du temps. Moi quand j'avais des copines qui étaient juives ou musulmanes, bah, juif, ouais. Elles prenaient ce sandwich là parce que c'est un des seuls qui peuvent manger au McDo avec les wraps et tout ça. Donc dedans il y a une sauce... je sais pas trop ce que mais c'est. C'est pas un sandwich qui à la base était fait pour eux à mon avis. Mais bon c'est cool d'avoir une ça. Une tranche quoi. De fromage et un poisson pané. Donc c'est la première fois que je vais goûter au filet au fish. Donc coucou à Kevin si tu passes par là mon moi, pote. J'ai demandé à... Moi j'avais une copine elle s'appelait Alice pareil et elle prenait tout le temps ça. Je lui demandais si c'était bon, elle m'a dit ça va. Elle m'a dit c'était pas incroyable non plus quoi. C'est bon. C'est bon. Ouais c'est bon. Alors. Oula. Mon gars. C'est spécial hein. C'est spécial mais c'est bon je trouve. Moi je franchement file au fiche et première fois de ma vie que je goûte. Je suis content. Ah moi j'aime pas. Ah ouais? Non. Bah après faut aimer le poisson. Moi je trouve que le poisson, je sais pas, il fait pas frais, enfin je sais pas, Ouais il est... Moi je sais pas, moi j'aime bien, ça passe. Du coup les amis, on va se dire à tout de suite. Et donc re. Voilà, on a fait une petite pause pour retrier un petit peu les sandwichs qui restaient. Et donc du coup il nous reste encore les deux wraps. Donc les deux wraps c'est l'espèce de crêpe et
encore un burger qui s'appelle le Royal Cheese. Mais en fait, le Royal Cheese, c'est tous des Royal Cheese, puisque là, il y a quoi? Bah, il y a... Alors, ketchup... Mais attends, mais ça ressemble pas à l'autre. Mais oui, ça ressemble trop à l'autre. C'est ketchup, oignon, cornichon, fromage et une... Et un steak à l'intérieur, donc je sais pas, ça doit être du bœuf, une bêtise comme ça. Une bêtise. Voilà, hop. Et après, il y a les desserts aussi. Ouais, il y a les desserts après. Hop là. Et donc, du coup, c'est parti. Tu l'as mangé à l'envers. Ça porte malheur. Marrant. Non, je rigole, ça porte pas du tout malheur, mais je sais pas. Avec la célèbre pastille où tout le monde crée une légende. Ouais, c'est le anti-vomitif. Ouais, c'est... Bah, faudrait que quelqu'un nous dise... Après, il y a quelqu'un qui dit, ouais, c'est quoi, tu mets le sandwich sur la plaque, en fait, il y a un petit morceau qui colle, hop, tu retires. Moi, en fait, je sais pas ce que c'est peut-être l'anti-vomitif. Dites-moi en commentaire ce que ça pourrait être. C'est à chaque fois, sur un sandwich, t'as toujours cette fucking pastille. Alors, je sais pas si là, on l'a mangé. Ouais, voilà. Alors là, franchement, il n'y a pas plus parlant. Regarde, tu vois, la pastille, là. Ici, toujours cette pastille, là. C'est pas ce que c'est. Moi, ce que j'aime le plus au McDo, c'est les cornichons. Ils sont bons, les cornichons. Ils sont trop bons. Je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est des gros cornichons, puisque les tranches, elles sont toujours épaisses. Okay. Hop. Il est bon, hein. Remets dedans, Bichoco. Voilà. Il est bon. Franchement, moi, j'ai toujours faim, donc bon, ça. Moi, je commence à caler. Non, pas moi, c'est bon. Là, franchement, je suis easy, là. Moi, je commence à caler. Mais moi, je m'en fous beaucoup aussi. Du coup, le wrap. Donc, ça, c'est lequel? Merde. Je sais pas quel que c'est. Ça va être celui-là au bacon. Voilà. Donc, ouais, chef, j'en sais rien. Bon. Non, ça doit être wrap poulet, ça. C'est le wrap. Ah, oh, j'en sais rien. Il y a pas écrit. Il y a pas écrit. Bon, bah, je pense que c'est celui-là au chef. Donc, du coup, c'est une crêpe. Attends, avec tu vas goûter, hein. Des trucs à l'intérieur. Du coup, c'est parti. On va le fermer pour bien manger. Je trouve qu'on s'en sort bien. Moi, je trouve qu'on mange proprement, hein. Eh, hey, parce que c'est pas facile de manger bien au McDo. Ah, attends, une seconde. Ça, j'ai les mains propres, hein, de toute façon. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est du chèvre, en fait. Ouais. La plaque marron à l'intérieur, c'est du chèvre, donc ça, c'est le filet au chèvre. Tu m'as dégommé mon McWrap, là. Notre McWrap. Oui, bah, notre McWrap, oui, mais bon. Allez, donc, mange la crêpe. Mange. Bah, attends, attends, t'as mangé le meilleur truc. Non, mais regardez la gueule qu'il a, le truc, maintenant. Alors, tu sais, enfin, avant que j'aille au McDo, en fait, j'ai commencé le McDo à partir de l'âge de 15 ans, puisque j'avais jamais envie d'aller au McDo. Puis après, j'ai déménagé à Paris, donc du coup, j'allais plus au McDo. Et je prenais toujours des burgers. Et une fois, j'ai pris un wrap, tu vois, parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais. J'ai pris un wrap. Et je vous promets, les gars, les wraps, genre, si t'as vraiment faim, mais pas trop, tu prends un wrap. Le wrap, ça donne pas mal au ventre. Parce que souvent, au McDo, tu manges, après, t'as grave mal au ventre, tu vois. Bah, ça, t'as pas mal au ventre après. Et c'est bon, c'est léger. Je vais même prendre un morceau, tu vois. C'est pas mal si t'aimes le chèvre. Mais moi, j'aime pas le chèvre, en fait. Donc, j'aime pas trop. Mais, c'est pas mal. Ok. J'aime bien. Moyen. Et du coup, on va comparer avec le wrap au bacon. Ok. C'est vraiment la dégustation de porc, mon gars. Mon Dieu. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on n'arrête pas de manger. Franchement, je suis sûr. Regarde, c'est ton ventre qui fait ce bruit-là. Oui. T'as vraiment faim, hein. Mais non, parce que j'ai mal au ventre. Donc, du coup, là, on a une tranche de poulet, du bacon, du fromage, de la sauce et de la salade. Je crois que c'est pas forcément bien de manger tous les trucs différents de McDo, en fait. Si la vidéo elle arrive pas sur YouTube, de toute façon, on est foutu. Putain, mais t'as pris combien de la bouffe dans ta bouche? Moi, j'ai pris un croc, quoi. Ah ouais? Bah, regarde. Oui, non, mais d'accord, ok. Alors, franchement, y a pas photo. Franchement, y a pas photo. Y a pas photo. Franchement, y a pas photo. Moi, je préfère celui-là. Moi, je préfère celui-là. Celui-là au chèvre, en fait, je sais pas, le chèvre, il est bizarre. Tu veux, je vais te le sortir, le morceau de chèvre. Si tu veux, c'est du chèvre pané, tu vois. C'est du chèvre pané. Je comprends pas ce qu'ils font. C'est bon, hein. Non, mais le chèvre, il est moins bon. La tomate, elle est bonne, hein. La tomate, elle est bien fraîche. Le petit morceau de bacon. Non, mais en fait. Un petit morceau. Je vois de mieux en d'un bon oeil à McDo. Tu vois, souvent il y a des polémiques et tout, mais franchement, pas mal. Oh, c'est grave. Tout est plutôt frais et tout, je suis contente. Parce que comme je suis habituée à des trucs, je me dis, bah peut-être qu'il y a des trucs qui sont nuls, quoi. Oh. Au final, rien ne m'a vraiment déçu de ouf. Non, mais McDo, il y avait des trucs un peu nuls, mais pas trop. T'as toujours des légendes au McDo, de toute façon. De toute façon, ça se trouve, tout ce qu'on mange, c'est pourri dans la vie. Enfin, on s'en fiche, de toute façon, on mange, c'est comme ça. Mais c'est vrai, ça se trouve, il y a des produits pesticides, j'en sais moi. Génial. Merci, mon amour, ça fait plaisir. Ok. Bah, du coup, on va passer au dessert. On va passer au dessert. Okay. Ils sont où, les desserts? Ils sont juste là. Ok. Bah, du coup, on se dit à tout de suite.
Et donc, les amis, on se retrouve pour les desserts. Donc, du coup, les desserts, il existe pas mal de desserts à McDo maintenant. Il y a le McFlurry, pas le basique. Le Very Parfait. Il y a des donuts, il y a des brownies. Des cakes ou je sais pas quoi. Le cake, il n'y en avait plus. Bon, bah, désolé, du coup. Des muffins. Les muffins, voilà, exactement. Et donc, du coup, bah, j'ai pris tout ce qu'il y avait sauf les muffins. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas pris tous les parfums de McFlurry parce qu'il y en a 45 possibilités. McFlurry, caramel, Oreo. J'ai pris au hasard. Ok, bah vas-y, c'est parti. Bah vas-y. Mange. Parce que j'ai pas de cuillère, moi, en plus. Sinon, je peux manger avec le couteau. Ah, elle a mis masse d'Oreo, la dame. Ah, je suis content. Elle a mis trop d'Oreo dedans. Alors, à première vue, on a de la chantilly. Hein? De la glace. Merci, mon amour. Ah, c'est trop dedans. Franchement, McFlurry, pour moi, c'est le meilleur dessert qui existe. Oh là là, oh, c'est une tuerie. J'arrive pas. Ah, c'est bon. Ok. C'est parti. N'hésitez pas à nous dire de votre meilleure combinaison de McFlurry, genre caramel et M&M, j'en sais rien, moi, tu vois. Donc là, le Very Parfait, je crois que j'ai jamais goûté. Moi, j'ai goûté. J'ai jamais goûté. Moi, j'avais pourquoi déjà... t'as pris un couteau? Je sais pas. Tiens, du coup, c'est fuck ça. Le couteau. Mais du coup, le Very Parfait, c'est quoi? C'est de la chantilly. Et c'est tout, quoi. C'est que de la chantilly, en bah, fait. Bah non, il y a du chocolat aussi. Il y a plusieurs goûts. Je préfère le McFlurry, moi. En fait, ça, c'est juste de la glace à la vanille et de la chantilly et du chocolat. Alors que, bon, là aussi, mais... J'aime bien le principe. Je comprends rien. C'est quoi? C'est de la chantilly et du chocolat? Non, et de la glace à la vanille. Moi, j'aime bien le principe du McFlurry. Moi, je prenais Kit Kat caramel. Non, moi, je préfère largement le McFlurry. Bah écoutez, le Very Parfait, je suis pas fan. On finit avec le donut? Ouais! Moi, je suis pas fan du Very Parfait, les amis. Bon, bah écoutez, entre le Very Parfait et McFlurry. Moi aussi. McFlurry. Après, McFlurry, après, c'est selon vos goûts. Moi aussi. Et donc, du coup, il reste le donut. Il restait plus qu'un parfum. Je sais pas ce qu'il y a dans ce McDonald's, donc il restait fraise. Et après, je sais pas ce qu'il existe, donc du coup, on va goûter celui-là à la fraise. Alors, moi, je suis fan de donuts, donc je vais pouvoir vous dire s'il est bon, frais ou pas. Ouais, moi, un kiff d'enfant, ça serait d'aller aux États-Unis et de goûter les donuts des États-Unis. Les vrais trucs, tu vois. Comme dans les Simpsons où ils s'arrêtent avec la voiture, tu prends les donuts. J'aime pas. C'est pas moelleux, c'est pas ceux de la boulangerie, quoi. Moi, j'aime pas. Moi, ça va, c'est un peu sec, quoi. En plus, à la fraise, je déteste ça. Moi, j'aime chocolat, pas bon, fraise. Alors, dedans, bon, moi, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Un espèce de beignet avec un espèce de couille bizarre. Et à l'intérieur, fourré à la fraise. Bon. Je trouve que ça finit mal le McDo, là. Je suis déçu. Je vais devoir reprendre autre chose. Je trouve que c'est pas McDo. En fait, je trouve que ça fait pas McDo. Ouais, c'est un t'en peu... penses quoi? Non, c'est un peu pourri. Ouais. Non, bon, mais je suis pas fan. Écoutez, les amis, c'est la fin de cette dégustation. On vous a goûté tout ce qu'on pouvait. Alors, attends, est-ce que j'ai le ticket de caisse pour vous montrer Il est là-bas. Il est là-bas. Pas grave. Attends, je vais le prendre, je vais le chercher. Vas-y, je vais le chercher, tranquillou. Il va chercher le ticket de caisse. Pour vous montrer la longueur du truc. Le ticket de caisse. Genre, voici la longueur du ticket de caisse. En vrai, ça fait beaucoup quand tu vas au McDo. Je te promets, ça fait beaucoup. Et après, il y avait encore un morceau comme ça. Il me semble qu'il y avait un morceau aussi pour le liquide, mais je sais pas où je l'ai foutu. Et donc, du coup, je vous explique vite fait. J'avais oublié de prendre des nuggets. Et genre, à la fin, je dis, pour me racheter des nuggets, s'il vous plaît. Je lui donne un billet de 50 euros. Elle était là. Non, mais c'est pas possible du tout, machin. Et après, elle m'a rendu 46,90, tu vois. C'est marqué là. Ok, bon, enfin bon, j'arrête de raconter ma vie, etc. Du coup, les amis, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu. Ça fait super plaisir de partager à tous vos amis. Nous dire en commentaire quelle dégustation vous aimeriez bien voir de fast food. Donc, quick, etc. C'est à vous de trouver. De toute façon, nous, on a déjà des petites idées, mais on va essayer de faire en fonction de vos goûts. Restauration rapide, voilà. En général. Donc, du coup, les amis, là-dessus, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Bye bye, bye.